Créatif, bonjour, je suis l'ambassadeur Agalawal. S'il vous plaît, avant tout propos, je vous invite à observer ces images. Mon frère, faut filmer. Filme ici. Voilà. Ça va, les jeunes du quartier, ça va un peu? Voilà, vous voyez un peu? Regardez. Mon frère, faut parler. Parler. C'est bon? Tu as pu trouver? Voilà. Je me demande, et je vous me demande très bien, que vous vous dites aussi où est-ce qu'il se retrouve. Moi, je suis à Bondoukou. À Bondoukou, et là où je suis, ce n'est pas dans un champ de patates, ce n'est pas dans un champ de manioc, mais c'est bel et bien sur le stade local de l'équipe mythique Sakrabutu Sport de Bondoukou. Regardez comment le stade est en état de délabrement. Le stade est en train de tomber en ruine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pendant ce temps, on se demande s'il y a encore des joueurs qui ont le courage encore de jouer encore sur ce stade. Tiens, à ce propos, on a un joueur. Lui, au moins, il a l'espoir. Mon frère, viens. Il faut dire un mot à notre caméra. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Oui, toi, c'est qui? Moi, tu ne me connais pas. Toi, c'est meilleur qui, joueur de Sakrabutu Sport National de Bondoukou, c'est moi. Attends, faut pas parler beaucoup. Tu veux pas dire des joueurs de Sakrabutu? Bien sûr. Attendez, on va faire selfie. On ne sait jamais, un jour tu vas percer. Ah, merci. Voilà, c'est bon, ça j'ai gardé. Alors, mon frère. Oui. Dis-moi, c'est quoi le problème au juste au niveau de Sakrabutu ici? Au niveau du terrain du Sakrabutu, c'est quoi le problème? Ah, mais toi-même, tu as encore le plaisir de venir encore nous demander. Oui. Sinon, les joueurs d'ici là, actuellement, eux aussi, ils ont disparu. Hein? Je ne sais même pas si ils sont partis parce que je suis défenseur, attaquant, entraîneur, supporter. Ah! Oui. Et ici là, c'est trop dur. On a mis pompe ici pour arroser le terrain là. Les femmes là, ils ont pris pour aller mes quartiers Gamaya. Ah! Et le problème est que on ne paye pas les primes des joueurs. Oui. Hey, tu me vois pas? Tu as comment? Mais regarde comment je suis devenu mince. J'ai maigri comme ça. Ah là là. Même aucun maillot. On n'a pas de maillot. On n'a rien. Ah bon? Ça ne va même pas. C'est la vérité que je te dis. Mais Yerio, ça là, c'est pourquoi? Tu es journaliste. Oui, c'est, je fais ça. C'est une vidéo que je fais pour mettre sur Facebook. Ah, moi, je crois que c'est télévision. On entend télévision. Toi, tu viens, tu dis que. Vraiment, le problème, il est sérieux. Vous-même, vous voyez. Le problème de Sakrabutu, regardez le terrain sur lequel il s'entraîne, c'est difficile. Essayez de voir, ça fait que tous les joueurs ont perdu espoir. Il paraît que le gardien de football même de Sakrabutu, là, il est devenu chauffeur de gros camions. On m'a même dit que le défenseur, il a créé son petit stand de Anacad, il est en train de ramasser Anacad. S'il vous plaît, redonnez de l'espoir au football local de Bondoukou, s'il vous plaît. On compte sur vous. Voilà, pendant ce temps, vous êtes là-bas en train de faire vos bruits, vous dansez vos coupés décalés de la FIFA. Je vais devenir président de la FIFA, je vais devenir président de la FIFA. Voilà le secret, il va vous donner. Le seul candidat qui va venir réhabiliter le stade de Bondoukou, s'il vous plaît. Ce ne sera plus élection, mais on va le nommer.